Salut à tous, c'est FunFox et bienvenue sur une nouvelle petite série sur Feed the Beast Minecraft sur un modpack qui s'appelle Pyramid Reborn. Le modpack est assez sympa, je l'ai déjà terminé, mais je l'ai trouvé vraiment cool et il est court, donc je vais le refaire avec vous. Il y en a pour 5-10 épisodes, hein, mais il se fait vite, il est très sympa, il n'est pas très compliqué, pas très difficile, et très porté sur l'automatisation, ce que j'ai toujours adoré. Donc je voulais refaire ça avec vous en pas à pas. Donc j'ai déjà un monde qui est terminé, je l'ai renommé fini, comme ça je ne me tromperai pas. J'en crée un nouveau avec vous, que je vais nommer nouveau. C'est une base de Sky Factory, c'est-à-dire qu'on commence sur un arbre, enfin sur un arbre, on commence sur une plateforme sur laquelle on va faire un arbre et il y a du vide autour. Mais il y a un certain nombre de choses qui l'ont rendu assez unique dans sa gestion. Alors on commence ici, c'est une grande île, mais on n'a pas le droit de construire dessus, hein. Voilà. Ça, c'est une île sur laquelle on va devoir rendre. On a des quêtes. Alors, voilà, on a des quêtes. On doit faire un basic drawer, un furnace générateur, un machin bidule. Et on les rend ici, dans le coffre qui est là. Et ça nous donne des ressources en échange. On commence sur l'île qui est là-bas. On n'a pas le droit de construire ici. Et pour aller sur l'île là-bas, en fait, on choisit une équipe. C'est H par défaut, on choisit une couleur d'équipe, paf. C'est un modpack qui peut être fait donc en équipe, en compétition entre guillemets, parce qu'on peut être quatre couleurs en train de se construire. Et à partir du moment où j'ouvre le coffre, le timer débute. Je ne sais pas encore comment afficher le timer, j'essaierai de le faire. J'ai pas réussi la dernière fois, mais on va voir hein, si j'arrive. Normalement, il devrait pouvoir y avoir un timer ici. La spécificité de ce modpack, c'est que. Bon, déjà j'ai une hache incassable, un sapling, et j'ai surtout un ressource générateur. Au lieu de faire avec Ex Nihilo, de devoir passer au tamis mon bois pour avoir de la pierre, etc., comme d'habitude. Alors là, il n'y a pas de twerk, hein. Faut que je le fasse au bonne mille. Mais la dernière fois, j'ai. De toute manière, après, tu crées une ferme à mobs, et en fait. Avec mes 64 bonnes mille, j'en ai eu largement assez. Cool, un gros arbre. Alors le défaut des gros arbres, c'est qu'il ne faut pas se louper pour récupérer des saplings. Ok, c'est bon, j'en ai eu un peu. Ok, j'en ai eu beaucoup, tout va bien. Ok, donc ça devrait me suffire pour le début. Donc ouais, j'ai une hache incassable, j'ai des trucs de bouffe et j'ai un ressource générateur. Et le ressource générateur, en fait, permet contre l'électricité de générer un certain nombre de choses. Pour le faire, il faut mettre un frame devant. Donc il faut avoir au moins une ressource à dupliquer. Et contre l'énergie. Et c'est ça où on rentre dans l'unicité des choses, c'est que pour avoir des ressources, au lieu que ce soit juste. Comment ça s'appelle? Au lieu que ce soit avec un tamis, bah là en fait ça sera avec de l'électricité du début à la fin. Mais j'ai trouvé le principe assez cool. Alors on commence comme d'habitude, hein, de toute manière, on commence par se faire une plateforme. On essaye de pas tomber. On serre les fesses très fort. Et je me trompe direct de hauteur. Voilà. Je voudrais aller là. Là. Je fais vachement gaffe parce que je suis déjà tombé deux ou trois fois. J'ai recommencé cette vidéo au moins déjà deux ou trois fois. Une fois que ça s'est fait, tu es assez tranquille. Mais les débuts sont assez dangereux. Parce que Minecraft gère pas très bien le fait que là je suis plus haut. Je suis pas sur le demi-slab. Et donc en fait, il me fait me casser la figure quand il essaye de descendre. Il considère que, mais si, tu peux descendre. Et puis après, tu tombes. Voilà. Une fois que ça s'est fait, là, ça devrait être mieux. Je devrais moins tomber. Voilà. Ça, c'est dangereux aussi. Voilà. Une fois que ça se sera fait, je me sentirai déjà beaucoup mieux.
Alors, tu mets toujours les slabs, pour ceux qui débutent, on met toujours des slabs comme ça, et on les met toujours sur la case d'en bas, de la demi-hauteur, parce qu'en fait, alors si je vais pouvoir le faire, normalement, je crois que c'est F7, ou je sais plus, c'était. Je sais plus quelle était la touche. Je retrouverai plus tard. C'était pas M? Ah, bon. Il y a une touche qui me permettait d'afficher ça, tant pis, je retrouverai plus tard. Mais il y a les niveaux de luminosité. Et en fait, la case n'est pas spawnable. Une demi-case en hauteur en bas, elle n'est pas spawnable pour des monstres. Ce qui fait que là, je suis en train de me faire une île où je peux la faire de la taille que je veux, les monstres spawneront pas. Les seuls endroits où ils peuvent spawner pour l'instant, c'est sur ces cases-là. Donc là, je suis sur du 3 par 2. On va encore monter à 3 par 3. Voilà, là je suis aussi en 2. Je suis à 3. Ok, donc là je commence à avoir déjà une plateforme un peu plus grande. On va se refaire un peu. Ok. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que je fais? Bon, déjà des coffres. Pourquoi? Est-il vraiment besoin de le préciser? Hop. Les coffres, ils sont là. On va sécuriser un petit peu mon matos au cas où je tombe. Coffre, coffre. Ok. On va ranger tous les trucs que si je tombe, je ne veux pas les perdre. Parce que comme ça, si je meurs, au pire, c'est pas trop trop grave. En fait, on va tout ranger, puis on va commencer à réfléchir. Alors, j'ai eu aussi. Alors, je vais prendre ça. Je vais remettre un peu de ça. Je vais prendre l'eau. J'ai eu aussi un bol d'eau. Il va falloir que je me loupe pas trop sur le bol d'eau, mais le bol d'eau, il va me servir aussi. Où est-ce que c'est? C'est en dessous. C'est par là. Vous voyez, là, il y a des trucs. Il y a un portail de l'end, mais j'ai pas envie d'y aller tout de suite. Une clé et une bedrock et un portail du nether. Alors, on va aller faire ça. On va essayer de pas trop se louper. Tac, 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 et tac. Et on va aller poser le bol d'eau ici. Déjà, c'est cool, il y a de l'eau. Ça veut dire que plus tard, si j'ai besoin, je pourrais toujours faire des plantations et tout. Je crois que je suis trop près. Je suis trop près du portail. On va reprendre le bol et on va l'éloigner un petit peu. Parce que l'idée, c'est de pouvoir faire une plateforme quand même. Là, je crois que j'étais juste collé au portail. On va le faire par là. Tac. C'est mieux. Donc là, on descend. Il faut faire super gaffe à une chose, c'est que bon, il faut garder de l'oxygène et en même temps, à partir du moment où il y a de l'eau comme ça peut commencer à spawner des squids. Et si tu te mets trop au bord de l'eau et qu'il y a un squid, tu vois, là, on voit le squid. Puis après, ils se déplacent, les squids, et ils tombent dans le vide. Et si tu es au bord de l'eau, ils peuvent te pousser. Et s'ils te poussent, tu peux mourir. Donc, s'ils spawnent au-dessus de toi et qu'ils se jettent dans le vide, ils peuvent te pousser hors du torrent. Et là, tu crèves. Puis t'as l'air très fin en fait hein, pour le coup. Voilà, donc là je descends, il y a un portail de l'end ici. Il y avait le bloc de. Voilà, et là en fait ici, je voudrais. Voilà. Raté. Voilà. Donc je voudrais plusieurs choses. Je voudrais me sécuriser une plateforme ici.
Voilà. Pour lequel je vais mettre tout autour au cas où justement il y ait des squids qui se jettent. Ça a plusieurs avantages de mettre tout autour. Le premier avantage, c'est que si des squids se jettent dans le vide, ils tombent sur la plateforme et tu récupères l'encre noire. Et le deuxième, c'est que si ils te poussent, tu meurs pas. Enfin, tu meurs, tu tombes sur la plateforme, tu meurs, mais au moins tu peux récupérer tes items, quoi. Voilà. On va aller là. On arrive dans le Nether et ça me dit un dernier cadeau ici. Il y a un coffre. Et dans ce coffre, il y a le reste. Le reste étant une pickaxe clé. Un Seabed Generator que je connaissais pas, mais c'est pareil, c'est un truc assez unique qui a été créé pour ce modpack qui est vraiment sympa et qui génère de l'électricité avec la chaleur des fours. Je vous montrerai tout à l'heure, genre, je vais l'utiliser. Un autre sapling si tu as besoin de birch ou si tu préfères le birch. De quoi faire de l'herbe. Une pickaxe incassable. Une shovel incassable. Du sable. De la lave. Donc tout ça va me servir. Je pourrais récupérer l'Iron Chest, mais là je vais avoir la flemme de prendre le risque, donc je le ferai plus tard. Je vais quand même me mettre de la plateforme ici. C'est flippant de descendre. J'ose pas. Ok, je le ferai plus tard. Et on remonte. Donc le début pour l'instant est assez proche de ce qu'on peut rencontrer d'habitude dans des factories. La seule chose c'est que là on a des cadeaux dès le départ qui sont assez cool et qui vont me servir pour la suite. Enfin qui sont juste extrêmement importants pour la suite. Hein. Que ce soit l'eau, la lave, etc. Je vais en avoir besoin. Et chacun des éléments qui m'ont été fournis, que ce soit la pierre, le sable, etc. Le sable, ça va être duplicable dans le ressource générateur. La clé que j'avais eue tout à l'heure aussi, etc. Donc en fait, c'est vrai que c'est assez pratique. Vous allez voir, c'est extrêmement efficace comme truc. Alors on va commencer par tout ranger. Voilà, le bucket aussi. Comme ça, j'ai deux buckets, ça me servira aussi pour la suite. Je voudrais un clé pickaxe. J'avais pas de la pierre aussi à un moment hein. On va récupérer cette pierre-là. Ok. Ouais, non, j'en avais pas, il semblerait. Ma hache aussi, elle va me servir. Voilà, on va ranger ça plutôt par là pour l'instant. Ok. Il faut que je récupère de la pierre. Parce qu'il faut que je me fasse un four. Il faut donc que je récupère 8 de pierre. Si possible, en fait, il m'en faudrait 9. Parce que je vais avoir besoin d'un four. Et si je veux dupliquer la pierre, il faut que. Comment ça s'appelle? Il faut que je puisse en mettre une dans un item frame. Je vous disais tout à l'heure que le dupliqueur il fonctionne avec un item frame. Tac. 7. 8. Et 9. Et je pense que ça explique pourquoi est-ce que il y a plus de pierres ici que 9 au cas où. J'ai ça, j'ai mon ressource générateur, j'ai mon Seabed générateur, j'ai du bois. Ce bois, il va me servir. Je vais me faire un item frame. Voilà. Et on va commencer à vous montrer des choses. Alors, un four. Je me fais un pantalon en pierre énorme. Le four, il est là. Non, je ne vais pas le mettre là, le four. On va agrandir ma plateforme par là.
Ok. Si je mets le four là, je peux mettre en fait à côté ou derrière ou là où je veux le seebeck générateur. Ce seebeck générateur, en fait, si je fais cuire quelque chose dans le four, ça va faire de l'ARF avec la température. Cette ARF, elle sera utilisable au-dessus, tac, pour multiplier avec la ressource générateur. Va falloir que je me fasse un escalier là, parce que sinon je vais avoir du mal. Ok, et sur le ressource générateur, je mets un coffre et c'est là-dedans que va apparaître le truc. Donc si je me mets ici un frame avec un cobble, que dans le four, j'avais récupéré des pommes, ouais, j'avais récupéré des pommes. C'est vachement bien ça, si tu fais des pommes cuites, c'est un des meilleurs. Une des meilleures bouffes que tu puisses avoir. Voilà, là je fais cuire mes pommes. Pendant ce temps-là, ça chauffe, donc ça fait de la température. Avec cette température, ça fait des RF. Ici, les RF sont utilisés pour faire de la pierre. Donc en fait, là, j'ai de la pierre infinie tant que je fais cuire des choses dans le four. On va faire cuire de ça aussi. Je voudrais du charcoal. Un, parce que c'est quand même meilleur dans la fournaise. Et deux, parce que ça va me permettre de faire des torches. Mais voilà, hein, ça fait beaucoup de. La cobble coûte pas très cher en fait. Donc. Raté. La cobble coûte pas très cher en électricité. Il y a des items qui coûtent plus cher que d'autres en électricité en fait. Dans le ressource générateur. Mais ça explique aussi pourquoi est-ce que. Dans mes quêtes. C'était où les quêtes? J'ai oublié où est mon bouton pour les quêtes, mais c'est pas grave. Voilà, dans mes quêtes. Ici, si je fais un basic drawer, ça va me donner un iron ingot, un redstone, un lapis, un marbre et un basalte. Parce que ces éléments, en fait, seront duplicables derrière. Donc, en fait, il me suffit d'en avoir un pour que la machine se mette en route. Entre guillemets. Alors là, je fais un petit peu de nettoyage. Je préfère avoir juste un petit 3 par 3 pour mes arbres. Voilà. Et puis au passage, je vais en planter 4. Comme ça peut pousser quand ça veut, sans bonne mille. Ici, ici, ici et ici. Et accessoirement, j'avais même de la terre. Donc je peux monter à 9. Ce sera mieux. C'est pareil, la terre est duplicable. Me suis fait peur là, si j'avais lâché Shift. Ok. Donc là j'ai trois charcoals. On peut faire des mini charcoals, des tiny. Hop, on va mettre de la terre. On va mettre mes tiny charcoals. Normalement la terre aussi est duplicable. Voilà. Comme ça j'aurai de la terre et de la pierre tranquillement. Alors, un truc à faire aussi que je voulais faire. C'est me faire un coffre à part. J'avais un coffre à part. J'en avais trois des coffres. Il est où mon... Ah bah il est là-haut. Donc on va se refaire un coffre. Le truc c'est que t'as vite fait de, sans t'en rendre compte, utiliser tous ces éléments-là. Je vais mettre de la clé aussi. T'as vite fait d'utiliser ces éléments-là qui sont duplicables. Parce que tu te dis ouais je peux les dupliquer, je peux en faire autant que je veux. Et donc t'as vite fait d'oublier que tu les utilises et d'en avoir plus du tout. Alors lui il coûte plus cher, voilà. Donc en fait je me fais un coffre avec un de chaque en réserve. Ok, donc tout ça peut partir là-haut, et j'en prends juste un de ça. Voilà. Et comme ça, en fait, je me fais une réserve de chaque truc duplicable pour que plus tard, je me rende pas compte. Oh, flûte, j'ai tout utilisé. Ok, le sable, j'en ai pas besoin tout de suite, donc on va le ranger là-haut. On va plutôt utiliser de la cobble là.
Kim. Tac. J'ai des torches. J'ai plus de bois. J'ai plein de saplings. Tac, 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 tac. Et tac. Et tac. Je vais quand même aller rechercher. Option, contrôle. C'était quoi la touche pour voir la luminosité? J'ai déjà changé des trucs, hein, vu que j'ai déjà fini une fois. Light level overlay. F4. Voilà. Donc là, en fait, 0. Ah oui, c'est parce qu'il y avait de la luminosité quand il y avait le four. Voilà. Donc là, par exemple, on peut voir que celui-là, là, il est en rouge, donc les monstres peuvent spawner dessus. Donc je peux faire ça et ça. Moi, ce que j'avais fait, c'était ça la dernière fois. Parce que en fait, quand les arbres spawnent, il peut arriver qu'il y ait des zones d'ombre. Que l'arbre fasse une zone d'ombre si tu mets qu'une seule torche d'un côté. Voilà, donc là, pour le coup, j'ai plus besoin de celui-là. Et là, normalement, même ici, ça doit être bon. Ouais. Et là, c'est bon. Ok. Donc là, je suis plutôt pas mal paré. L'étape d'après, c'est de ranger tout ça. De laisser pousser mes arbres et de utiliser. Ouais, j'ai largement passé. Il va falloir plus d'arbres parce qu'il me faut. Il faut que j'aille me faire une mob farm. Ce qu'il faut que je fasse aussi. Donc j'ai de la bouffe, c'est bien, parce que. Voilà. Au fur et à mesure, je vais avoir des pommes qui vont cuire. Hein. Il va falloir que donc je me fasse une rangée quelque part de 25 cases pour aller me faire une mode farm. Mais d'abord, j'ai une quête à rendre. Cette quête, la première, elle est assez simple. On va faire ça. On va le faire en double. Parce que je vais l'utiliser aussi pour pouvoir stocker des trucs moi. Voilà, c'est de faire un drawer. Ici, vous voyez, j'ai une quête, il faut que je fasse un basic drawer. Si je fais un basic drawer, ça me donne un iron, un redstone, un lapis, etc. Le basic drawer, j'en ai fait deux, un pour moi, parce que quand même. Ah, je l'ai pas mis dans le bon sens déjà. Drawer, il s'installe pas très très facilement. En fait, il faut faire comme ça et le poser là. Voilà. Ce drawer, il va me permettre de mettre du bois ou de la pierre, ou je verrai bien. C'est pour limiter mon stockage. Et donc l'autre drawer, il y a deux moyens. Soit tu fais une plateforme jusque là-bas pour aller rendre. Ce que j'aime bien, parce que quand même c'est un peu plus sympa d'aller rendre directement dans le coffre là-bas. Soit tu triches, entre guillemets, et tu utilises la quête ici. C'était comment qu'il faisait déjà? Parce que moi, je lui dis, je faisais l'autre. Voilà, tu cliques là. Et là, en fait, si je prends mon drawer et que je le glisse là-dedans, ça le rend direct. Et après, je peux voir les rewards et les récupérer direct. Voilà. Donc ça, c'est le mode rapide quand tu essayes de gagner du temps. Mais je trouve que c'est un peu moins sympa que d'aller le rendre au coffre. Pour l'instant, je mets les éléments là. Ceux-là, il faudra que je les duplique, j'en ai qu'un seul. Sapling ici. On va ranger les saplings. On va garder ça, on va augmenter ça. Il me faudrait encore. Allez, on va utiliser encore un petit peu de bonne huile. Wow.
Je me demande si les chances d'avoir un grand arbre n'ont pas été augmentées aussi sur ce mode pack. J'en ai régulièrement quand même. Tac, et puis on va faire cuire des pommes. On va faire plein de bois. On va faire beaucoup de plateformes. J'en fais énormément parce que pour le coup, pour faire une mob farm, je vais en avoir besoin d'un peu quand même. Ok. Comme j'ai peur de tomber, on va faire un truc intelligent. Voilà. On va ranger tout ce qui n'est pas utile. On va faire un truc intelligent autre, c'est que on va se faire une deuxième table de craft. Tac. On va la porter avec nous. Alors, je n'ai rien qui ne soit utile. Pour ceux qui savent déjà faire des mob farm, désolé. Ah d'ailleurs, j'ai de la pierre. Ouais, j'ai de la pierre. Tac. Ouais. J'ai perdu le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 15. Il me faut 25. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Faut pas mettre de cases sous soi, c'est dangereux de faire ça. Oui, je sais qu'il y a zéro en luminosité ici. C'est bien le but. Là, je fais un truc un peu gigantesque, mais 1, 3, 6, 9, 10, 11. Est-ce qu'il faut pouvoir passer autour aussi? Ok. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, je voudrais que ici, j'ai même pas besoin de les mettre ceux-là pour l'instant. Bon, c'est pas grave, on va les laisser, ça va faire joli. Je voudrais combien? 1, 2, 3. Je voudrais que ce soit centré. 5, 6, 7. Voilà. Faut se rendre compte que ça va aller très vite, ça, pour le coup, parce que une mob farm. Ici, en fait, ça va être de la terre.
Ça va être de la terre, pourquoi? Parce qu'en fait, je vais avoir un. Je vais mettre de la Cursed Earth. On m'en a donné, autant l'utiliser. Tac. Ici, je vais mettre des murs. Oui. Monte. Alors c'est bien, j'ai créé plein de cobble pour pouvoir faire ça, puis finalement je la fais en poids. Je vais aller me chercher ma cobble, hein, tant qu'à faire. Ce sera plus sympa. En fait, l'intérêt est simple, c'est pas le risque d'explosion, parce que pour le coup, t'as pas de risque d'explosion, puisque tu es sur FTB et que tu peux bloquer les explosions. C'est plus le fait que si je le fais en pierre, si je pourrais vein miner, ce sera pas la même chose que le sol. Va peut-être me falloir ma hache aussi. Parce que le risque, c'est que là, en fait, je suis en train de faire tout mon sol en bois. Et t'as très vite fait, mais alors très vite fait, d'utiliser vein mining sur le bois et de vein miner le sol en même temps que le reste. Ce qui est légèrement mortel. Mais très légèrement. Ce qui explique là d'ailleurs pourquoi est-ce que j'utilise pas vein mining pour ces cases-là. Ok, alors je voudrais faire ma table de craft ici. C'est pour ça que j'en avais fait une d'avance. Je vais mettre une torche dessus. Voilà. Mettre de la cobble, quelques slabs, mais surtout de la cobble, les deux en fait. Il va falloir des slabs aussi. Voilà. Ok. Vais mettre la cobble là. Là. La cobble, c'est pas vertical. Enfin, le wood wand, le stone wand, il est pas vertical. Donc, on va faire comme ça. Donc là, il y a 3 de haut. Dans le doute, je mets toujours un de plus au cas où. Et je le fais de 2 d'épaisseur parce que. Alors de mémoire, je me demande si c'est même pas 3 qu'il faut faire, mais en tout cas, si tu fais que 1 d'épaisseur, les araignées spawnent pas. Et je vais avoir besoin des araignées quand même. Pour pouvoir avoir du silk. Alors, hop, et puis là après on met des slabs, comme ça, c'est une zone qui est non spawnable. Ça évite de devoir mettre des torches partout. Ça marche bien. Ça coûte qu'un demi, une demi-pierre, donc en plus c'est assez ressource friendly de faire ça. J'en ai pas assez. Je suis à un endroit à la con. On va se refaire une table de craft ici, j'ai pas envie de descendre. Faut surtout pas oublier des endroits où il pourrait y avoir de la luminosité, parce que sinon en fait tu te retrouves à avoir des monstres qui spawnent à l'extérieur de la zone de spawn, et ça t'en as vraiment pas envie. Quand tu fais ça comme ça, l'avantage c'est que bon là pour le coup j'ai mis une torche dedans, donc pour l'instant ça va pas spawner. Mais là, en fait, les monstres me voient pas. Moi, je les vois, mais ils me voient pas si je me colle pas à eux. Voilà. Et on va.
va agrandir la plateforme quand même parce que c'est dangereux. Moi j'aime bien 3. Comme ça, si tu prends une flèche, tu meurs pas en fait. Il y en a qui fait un peu d'abus là. Ok. Donc là, si je retire ça, que je retire ça, voilà, c'est tout noir dedans. Et dans les faits, après, je là pour l'instant, ça peut pas spawn. Hein, parce que j'ai. Ça peut pas spawn parce que j'ai. Je suis trop près. Mais si je m'éloigne, il y a des monstres qui vont spawn. Là. Le but de ça aussi, c'est que je vais remplacer ça par de la Cursed Earth qui, elle, fait spawner les monstres beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et je crois d'ailleurs que les monstres spawnent même si tu es à côté. On va faire ça tout de suite. En plus, ce qui est cool, c'est que la Cursed Earth se propage, donc je pose une et de la terre autour. C'est pour ça que j'ai fait de la terre. On va en reconstruire hein, de la terre. Voilà. Je prends de la terre. Je prends une Cursed Earth. Et je suis tranquille. On ne peut pas dupliquer le bois en revanche. Ok. Où est-ce que... What? J'entends le bruit de la terre qui se pose, mais elle se pose pas. Elle s'est bien pas posée... Non, hein. Ouais, c'est bien pas posé, il y a un truc bizarre. Ok, prendre la Cursed Earth ici et on va la poser là. À partir de ce moment-là, non seulement la Cursed Earth va permettre de faire spawner les monstres beaucoup plus vite, mais en plus elle va se propager sur les autres terres autour. Voilà. J'ai pas d'épée, mais ça va pas forcément être le plus gros problème. En espérant que l'épisode vous ait plu. Si vous a plu, dites-le moi. S'il ne vous a pas plu, dites-le moi aussi. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao!